Didier Deschamps n'hésite pas à défier les joueurs de l'équipe de France. Mais, ce n'est pas la balle au pied sinon les boules à la main. C'est en effet à la pétanque qu'il impose sa loi. La France affronte le Danemark ce mardi 26 juin. L'objectif ? Décrocher la première place du groupe C, les joueurs se sont bien sûr préparés ces derniers jours. Mais, impossible de s'entraîner en permanence. Alors les Bleus s'occupent et misent sur différentes activités. On apprend ainsi dans Le Parisien que toute une partie de l'équipe aime bien jouer à la pétanque. Le sport sudiste aurait notamment les faveurs d'Olivier Giroud et Hugo Lloris. Mais, les deux doivent s'incliner devant le talent de Didier Deschamps. Le sélectionneur serait la star incontestée de la discipline chez les Bleus, à tel point qu'il met des raclées à tout le monde. Du côté des autres activités, on trouve notamment le mini-basket, qui est dominé par Alphonarola, Netflix ou encore le Scrabble. Le Perudo, un jeu de dés péruvien, ferait aussi sensation au sein de l'équipe de France. Enfin, Paul Pogba serait aussi venu avec un coiffeur particulier, qui répand son talent entre les différents joueurs des Bleus. Il faudrait peut-être songer à réviser les surnoms des différents joueurs des Bleus en fonction de leurs activités.